Là, je suis avec Johan. T'as quel âge, Johan? J'ai 15 ans. 15 ans? Autant. Tiens, il va accompagner aussi là-bas. Les amis, devinez où nous sommes. Je suis en train de faire découvrir à mon menteur où se situe l'hôtel Hilton. Enfin, non, pas où se situe, mais où on se gare. Et à la petite passerelle là. Waouh, c'est beau. T'as dit quoi? C'est classe. Ouais, c'est beau. C'est clair, c'est quand même beau. Je sais plus où aller. Bon, allez, suis-moi, bienvenue chez moi. Deux personnes. Ou peut-être plus. En extérieur ou en intérieur? Extérieur. Ouais. Super. Deux personnes. Voilà. Ah ouais. Je vous laisse le temps. Super. C'est bon, et ensuite on s'occupera de vous si c'est mes collègues. Super, merci beaucoup. Hein. T'as vu, elle connaît mon prénom. Passe pas inaperçu. Elle nous a bien accueillis. Hein. Voilà le happy hour. On m'a toujours demandé c'était combien c'est le happy hour. Ok, donc ici t'as les cocktails à 1500. Leurs 4 sont vraiment belles. Hein. Une belle villa. Alors comment ça marche? Est-ce que quand, dans les cocktails il n'y a que ça qu'on cocktail? C'est vraiment beau. Il y a la piscine juste derrière. Vraiment jolie la couleur. Super. Merci. Top. Bon bah santé hein. Allez. Tchin tchin. Qu'est-ce qu'on a pris? C'est un wrap avec du poulet et de l'avocat. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Waouh, des cookies. Comme ça. Voilà les amis, il est actuellement 22h, je viens de prendre ma douche. Le wrap était vachement bon, c'est nouveau, c'était... Il y avait du poulet, il y avait de l'avocat, je sais pas s'il y a encore au McDonald's. Et les cookies, waouh, c'était vraiment excellent. Là, je vais faire ma petite night routine, voilà la routine que je fais la nuit. Bah ouais, c'est la traduction de night routine. Ah là, Teddy, tu es fatigué. D'ailleurs, les cocktails étaient vachement bons au Hilton. Hein. En revanche, le happy hour, il n'y avait pas sur toutes les boissons. Il y avait uniquement sur quelques cocktails et sur les bières. Donc, ça coûtait 1500 le cocktail. Il y avait margarita, il y avait du mojito. Et puis voilà, je m'en souviens pas. En tout cas, moi j'ai pris margarita. Alors pour commencer ma routine, j'applique toujours une lotion tonique. Donc celle-là qui est à base d'eau marine, de romarin et de citron. Donc les parfums sont juste incroyables. En fait, la lotion va permettre de préparer la peau pour accueillir les autres produits comme le sérum et ma crème hydratante qui va venir après. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un TikTok sur ma night routine plus complète avec le nettoyant visage, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok ou sur Instagram. Sur Instagram aussi, Teddy Jonctin en ce moment. Je poste plein de photos et de reels. Donc ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Donc, une fois que j'ai fini d'appliquer la lotion tonique, en fait c'est de la marque Phytomère pour ceux que ça intéresse. Je vais utiliser le sérum, mon sérum préféré de chez Phytomère, celui à l'oligoforce qui va permettre justement de venir pulper la peau. Voilà, il suffit juste de quelques gouttes en fait sur le visage. Hop là. Waouh. La texture de ce sérum est juste incroyable. Ça va venir adoucir votre
peau. Ça va venir aussi corriger les imperfections de la peau, les taches, etc. C'est juste incroyable. Ça fait un petit moment que je suis en train de faire des night routines, que j'utilise des produits skincare, des crèmes hydratantes et tout. Ça fait à peu près un an que je m'intéresse fortement à cette routine-là, prendre soin de soi. Et au-delà, en fait, des produits, c'est vraiment un moment où l'on passe avec soi-même. Et je trouve que c'est vachement important aujourd'hui de se recentrer aussi sur soi, parce qu'on a tendance à s'oublier dans le monde dans lequel on vit. Tout va très vite. Donc voilà, ce petit moment skincare, c'est un petit moment avec soi. Il n'y a pas d'âge aussi, je pense, pour commencer à prendre soin de son visage. Ensuite, j'utilise la crème hydratante, toujours de chez Phytomère. C'est l'Hydralte Nuit. Donc en fait, c'est une crème de nuit. Elle est un peu plus épaisse qu'une crème de jour. Moi, j'aime bien l'appliquer comme un genre de masque que je laisse poser toute la nuit. Et vous allez voir qu'en fait, cette crème-là, ça permet vraiment d'hydrater en profondeur votre visage, votre peau. Et d'avoir cet effet repulpé aussi, restructurant également. Voilà. Et en même temps, vous pouvez profiter de faire un petit massage. Ça fait jamais de mal. Oh là là. Cette crème de nuit, elle est juste onctueuse. Elle est incroyable. En plus, le parfum est vraiment doux, parce que j'aime pas en fait les crèmes avec un parfum trop fort, parce que je suis allergique au parfum de synthèse, donc du coup ça me fait éternuer celui-là. C'est vraiment quelque chose de très naturel, de très frais, de très marin. Et surtout, on n'oublie pas aussi le cou, de s'hydrater le cou. Et comme vous avez pu le voir en début de cette vidéo-là, j'ai rencontré la délégation de Marquise. En fait, c'est juste incroyable cette rencontre. Ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. Parce que je crois que lorsque j'étais à l'Amérique, lorsque je faisais mes papiers, j'avais discuté avec une dame. Enfin, je lui ai dit que... Enfin, je sais pas si vous savez, si je l'ai déjà dit, mais mon rêve, c'est d'aller un jour au Marquise. Parce qu'en fait, je sais pas, les Marquises m'ont toujours attiré de par la culture, de par... J'ai envie de ressentir en fait le mana des Marquises. Je sais pas si vous me comprenez, en tout cas ça m'attire énormément. Et donc je commençais à dire à tout le monde, ah c'est mon rêve d'aller aux Marquises, etc. Donc du coup cette dame m'a fait rencontrer cette délégation des Marquises qui sont venues en fait pour un match de volleyball. Et ça a été juste incroyable, on a pu échanger sur la vie de Wapau, parce qu'ils sont originaires de Wapau. Parce qu'il y a Nukuhiva, l'île principale, ensuite tu dois prendre un petit bateau pour aller jusqu'à Wapau. Et en plus le bateau est pareil, c'est waouh, c'est du sport. Et moi j'aimerais bien un jour vivre cette aventure là, et en tout cas je dis à haute voix qu'un jour j'aimerais aller au Marquise. Donc j'espère que ce rêve va se réaliser. Mais en tout cas les personnes que j'ai rencontrées sont super super adorables, très accueillants et hyper gentils. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo là, merci énormément pour ce partage là et pour ce beau moment d'échange et d'émotion. Ciao Shin Popo. Bonjour Popo. Aya Kumkum derrière, c'est parti. Pressé, pressé comme un citron. Yoran les amis, bienvenue dans cette nouvelle journée. Donc là je suis avec mon grand-père toute cette journée, parce qu'on va en fait préparer le K5 qui aura lieu ce week-end. Et là comme vous savez, je pense que vous êtes des habitués maintenant à force de me suivre. Je vous voyais pas bien. On va aller acheter les habits. Bonjour. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Voilà Popo tout ce que Kumkum a acheté pour le Kassan. Ensuite, on a été à Carrefour pour prendre le vin, les biscuits. Mais à pitié. Et moi, je me suis pris des sandwichs pour manger à midi. Bonjour les amis. Donc là, on se retrouve le jour du Kassan. Ce matin, j'ai été acheter quelques fleurs. Je vais vous mettre les images des fleurs. T'as bien dormi, Popo? Oui. Bien. On va aller au Kassan. Nouveau vlog. Allez, c'est parti. Non, c'est bon. Makai Kumkum? Oui, au poulet. Ah. Non, mais. Le vaisseau, non? Monsieur, il était où? Attends. Haritato. Il y a des fruits là. C'est parti. Voilà. Yeah.
Joli. Ah, ok. J'ai fini de faire ma petite skincare. Ouh là là, là ce plan là est pas beau. Ça fait vraiment du bien de mettre de la crème sur soi, de se faire des petites papouilles. Voilà, je vais pas tarder à dormir. Comme vous avez pu voir, on est en période de cassin. Ça veut dire que il y a toute une préparation. J'ai acheté en fait les différents ingrédients qu'il faut pour la cérémonie du cassin. Donc je le fais à chaque fois, deux fois par an avec mes grands-parents. Pour Poukoum, on va sur la tombe, on va prier. On fait des offrandes également. On brûle des vêtements, des billets d'argent, des faux billets d'argent et des faux vêtements aussi sans papier. Sur ce, je vous fais de gros bisous, bonne nuit et on se retrouve tout de suite pour vous. C'est parti. Wouhou.